Récemment là sur Instagram t'as posé un petit freestyle en mode trap. Dans Digel. Ce soir, il va y en avoir un nouveau, tu vois. Disons que ça clubise le hip-hop français. C'est vrai. On jouait pas trop de rap français finalement en boîte, c'était pas trop en vogue. Et puis maintenant, du coup, qu'il y a la trap, vu que c'est devenu très facile et que les sonorités sont efficaces, ça permet à certains rappeurs français de passer en boîte. Maintenant, ça c'est le côté positif. Ouais. Le côté négatif, c'est que ça impose un peu le flow, un flow unique quoi, qui est un peu pourri. Ouais, tout le monde peut le faire en plus. Ouais, donc, oui, ce qu'on voit, tu t'amuses dans le flow. Apparemment, toi aussi. De petit au grand, sûrement motivé par tous les moyens, faut les quechos. Indépendant, organisé, c'est nous qui tirons les pédos. Le cas, monsieur, le cas, le cas, le fra, autre cas, tout le cas, les cras, calage, coca, par balle ou pas, je crèvera mon gras. Je suis dans le square, on t'arrache ta chaîne, c'est trop tard. Si chacun sa merde et son glace, mon négro, on laisse pas les balles. Ah, c'est galerie, tu vois, c'est peut-être marrant. Après, les textes, ouais, il y en a, ils sont pourris. Tu peux pas faire des trucs conscients, c'est un truc où tu t'enjailles, de toute façon. Ouais, ouais. De toute façon, t'as qu'à réécouter les textes de Snoop Dogg à 95, ça volait pas plus haut, tu vois. Donc, je pense que. Moi, je viens de la culture dancehall aussi. D'accord. Les textes, ça n'a jamais été non plus un truc de ouf. Donc, moi, ça m'embête pas, en fait, vraiment. Pourtant, ton son MC nul, les MC nuls dans sa graille, tu dis à un moment, je pourrais parler de flingue pour faire kiffer l'audimat. Je pensais que c'était justement une critique envers ce mouvement, la trappe, ça, où ça parle quand même beaucoup, beaucoup de flingue. Et... Ouais, ouais, c'est une critique envers certaines personnes, tu vois, c'est pas tout le monde. Il y en a deux, trois qui se reconnaîtront, t'as eu. Qui toujours, ils sont là, on fait les trucs, on fait les fous. Moi, j'en suis sûr, j'ai vu des trucs plus fous qu'eux, tu vois. La vérité dans Broghetto, j'ai vu des trucs que d'un. Mais c'est pas notre état d'esprit parce que, je sais pas, on peut. Nous, on gonnerait aussi, tu vois, on est dans d'autres délires, on vient proposer ça. Et quand je dis faire kiffer l'auditoire, c'est parce que c'est en vogue et apparemment ça fait vendre, tu vois. Moi, c'est pas mon. Je me positionne en disant que c'est pas forcément mon créneau.